joue. Qui revient foutre la merde? C'est toujours le même. T'as reconnu l'équipe? T'as senti l'équipe? L'équipe, aujourd'hui, c'était une journée très très spéciale. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup snappé. Une journée émouvante, une journée. On a invité en fait toutes les familles de la HMI Family. Donc la famille de Zizou, la famille de Mini Puff, la famille de Marwan, toutes les familles, tu vois, on les a invitées ici. Et sans rentrer dans les détails, on a fait en sorte que toutes ces familles-là n'aient plus besoin de travailler, n'aient plus besoin d'aller travailler. C'est des familles qui viennent de loin, qui vivent dans des villages reculés, qui galèrent. Qui... Et voilà, on a fait Alhamdoulilah. Et c'était émouvant, c'était puissant, c'était fort. Et tu connais, t'as pas le réflexe de snapper, de ouais, regarder ce que. Bon. Voilà, en tout cas, Alhamdoulilah, Dieu merci, Dieu nous donne, on redistribue. Alhamdoulilah. والدي الله يعطيه رضاته الله يا ربي تحفظوا ليه يا سينا يا ربي الله يغلبوا على من عاد انتم الله يوفقكم وهاتري كامل ليكيب كامل كل شيء يا ربي نطلب الله وعلى الله والصالحين وهذا قدام باش زيزو. Oui, mon frère. C'est ta maman. Oui. Merci, Olivier. Ah, merci beaucoup, shukran, tata. Shukran, wallah. Shukran, shukran. Shukran, merci beaucoup, beaucoup pour tout. Merci shukran, beaucoup, shukran, tata. Mini Puff, c'est ton papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, je t'aime mon frère, tu veux. Hein, c'est Raftor. Allez, on m'aime. Faut qu'on aide. Faut Mowgli en train de laver les fesses du nouveau singe. Pourquoi tu l'attaches? Tu t'attaches à lui? C'est bon. Il est jaloux, Mowgli est jaloux. C'est bon, toi aussi tu es mon bébé, t'inquiète. J'ai pas un autre bébé, t'inquiète. Regardez les gars. C'est bon, vous êtes mes deux bébés, c'est bon. C'est bon, vous êtes mes deux bébés. Je t'ai pas oublié. Ah, c'est incroyable. Et voilà, c'est un truc de ouf. Regardez une chose. Quand je vais prendre le nouveau singe dans mes bras, regardez la réaction de Mowgli. Quoi? Quoi? J'ai pas le droit de le prendre dans mes bras. Il veut pas que je lui passe des câlins. Zamaï. Non mais regarde. Je le prends avec moi, je le prends avec moi. Regarde, mais qu'est-ce que tu fais, Mowgli? Wakilou, Anaïs et Farah, vous êtes enfin rentrés du Groenland. Alors, c'était comment? Groenland, c'est pire, voilà. C'était comment? Très bien. Très bien? Ouais. Très, très bien. Il n'y avait pas à manger? Non. Tu as maigri? J'ai perdu 2 kilos. Waouh! Arrête de les récupérer déjà, voilà. Vas-y, parle. En fait, l'objet. Quel objet là, t'es fatigué. Attends, mais j'explique, il m'a demandé. Vas-y, dis le truc, t'es une carte. Dis que tu l'as oublié, ça y est, basta, pourquoi tu m'expliques le détail? J'ai oublié l'objet. Wakilo a perdu l'objet. C'est une cave, c'est une définition d'une cave. C'est une cave. C'est une cave, t'es un bourzo, je sais pas comment t'expliquer, t'es un bourzo, je sais pas, moi, tous les mots qu'il y a dans ma tête. Le retour de Safine. Ça fait du bien. Et Atis. Alors, c'était comment le Zimbabwe? C'est dangereux. C'est très dangereux, c'est. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas trop grand chose à faire. Mais toi, tu as pas kiffé? Non. Et toi, tu as kiffé ou pas toi? Moi, j'ai un peu kiffé, je l'ai ah ouais kiffé, parce que tu me connais, j'adore le danger. Ouais. Un mec, quand il y a des trucs dangereux, je kiffe grave. Et votre. Vous avez confiance ou vous avez pas confiance? Pas trop. Pas trop. Aïe. J'habite dans le 9-3, j'habite pas dans le. Y'a que du chien là où tu habites, il pleut, c'est mon frère. Tu connais pas le 9-3. Il pleut là où tu habites. Tu connais pas Sevran, Normalement, on doit être ensemble. Je suis pas avec elle. 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 Je suis pas sur la.
Je vais te sortir. Ben sors-moi, je m'emballe. Découvrez Palm Luxe, où l'élégance décontractée rencontre le luxe. Notre collection unique est conçue pour ceux qui recherchent le raffinement au quotidien. Chez Palm Luxe, chaque pièce est une célébration du style et de l'élégance. Avec des tissus luxueux et des finitions impeccables, nous avons tout ce qu'il vous faut pour un look chic et décontracté. En plus de notre collection exceptionnelle, nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos articles parmi des centaines de produits. Ajoutez des textes et des photos pour créer un cadeau unique et mémorable qui fera sensation auprès de vos proches. Que ce soit pour un anniversaire, une fête spéciale ou simplement pour surprendre quelqu'un, nos produits personnalisés sont le choix parfait pour montrer votre affection. Et ce n'est pas tout. Profitez de 25% de réduction sur tous nos produits. Ne tardez plus. Visitez Palm Luxe dès maintenant et découvrez la mode personnalisée qui allie élégance et luxe. Palm Luxe, l'élégance personnalisée à portée de main. Alors, le Japon, c'était comment ? Le Japon, c'était incroyable. J'ai vu ça. Grâce au Japon, j'ai un nouveau téléphone tout neuf parce que j'ai cassé mon téléphone. Et ton passeport, coup, il est t'as un nouveau mon passeport. Mon passeport intact, mon objet magnifique. Qu'est-ce que je suis venue ? Quoi, tu ne me donnes pas un détail ? Pour éteindre, il n'y a pas de détail. Juste, vas-y, je te donne un indice. Vas-y, dis-nous. Dinguerie. C'est tout, il n'a rien à se faire. L'amour de ma vie, qu'est-ce qui m'a manqué ? Ta gueule. Pourquoi ? Ta gueule. Tu es sérieux ? Ça, ta gueule. Pourquoi ? J'ai vu. T'as vu quoi, ma vie ? Ta gueule, j'ai vu. Oh, non, mon gueule de moi. Non, elle va où, là ? T'es sérieux, là ? Non, je crois que tes éléphants, je sais pas quoi, là. Girafe, je sais pas quoi. Dis, c'est pas comme ça, on va rester là 2 heures. Attends. Mais depuis tout à l'heure, tu me dis attends. Regarde. Tu vois pas ça se défait là? Mais. Tu vois pas ça se défait? Il faut un couteau. Tu vois pas ça se défait là? C'est pas comme ça! Mais il y a un élastique en bas là! Je vais enlever l'élastique, vite. Mais on va rester là longtemps! Tu prends un ciseau quoi? Tu me les coupes en fait! C'est un délire. Je suis en train de serrer. Tu viens, je prends une photo. Il était beau hein, l'autre hein? Non, pas du tout. C'est beau, hein? Attends, je suis sur les tresses. Ah, tu fais mal! Je bouge pas. Tu bouges pas, quand même. Bon, du coup, vu qu'on a plus de l'équipe, je vais faire une douche chez Safine. Et je vais monter dans sa moto. Il a dit que je bouge pas. Elle est en moto? C'est un scooter. Waouh! Je bouge pas? Mais je sais pas où. Attends, mais là, il me faut un peu de temps pour monter dans la moto, hein. Hein? Il me faut un peu de temps. Il faut combien de temps? 5 minutes, 10 minutes. Vas-y, prends ton aide. Allez, on y va. Et moi, je monte derrière, c'est ça? Allez, ok. Laisse-moi le temps de monter. Mais attends, mais là, tu pars, là. Ah, mes amours. Ma petite trousse de bain. Allez, on y va. Oh. Ah là là. Comment t'es lourd. Non, commence pas. Voilà, t'es un touriste. Mais d'abord, c'est trop bien. Ça va, je suis lourde. Non, ça va. Okay. Et tu bouges pas. Wattilou, c'est pire. Je bouge pas, t'inquiète. Wattilou, il sait pas se tenir. Ok, je bouge pas. Je bouge pas. Hop, mes habits. Moi, tu trouves ça bien. Je bouge pas. Bah, tu m'as dit, je bouge pas. Ça va, je peux pas trop. Fabrice. Ouais.
On va manger quoi? Du serpent là-bas? Salut Ben. Non mais attends, j'ai une question là. Pourquoi j'ai vu dans ta story hier avec des pains chocolat, des boissons aujourd'hui à part? Mais parce qu'il n'y a pas. Ah, vous nous aimez pas en fait. Mais c'est pas qu'on t'aime pas en fait, genre il n'y a pas aujourd'hui. Non mais moi j'ai faim, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben tu vas acheter tes pains chocolat, je te débrouille. Tiens, je t'ai sûr toi. Toi t'aimes pas. Allez, toi tu fais des belles choses comme ça, il faut continuer, il faut pas s'arrêter. Va-t'en ce bébé, va-t'en. Bon les gars, ce matin la villa c'était le bordel, j'ai pas dormi, on m'a réveillé, ils ont pas de sentiments, ils ont zéro sentiment, je suis arrivé à 3h du matin, je suis parti dormir, je vois ça me réveille avec de l'eau, c'est pas logique et c'est admissible. Ce matin il y a une grosse connasse de merde avec son cul, avec un gros nez comme ça sa mère, avec un gros nez comme ça, casse les couilles. Elle vient commencer à me tirer dessus avec des armes, avec de l'eau. J'ai dit, cousine, voilà, tu casses tes couilles. Voilà, ma réveillez-vous, je sais pas quoi. Donc la journée, elle commence très mal. Je suis zaf, voilà. Je suis vraiment zaf. Ensuite, je me réveille. Je me réveille à côté d'Anaïs. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai bu de l'alcool hier? Je sais pas. Je ne bois pas d'habitude. Donc, je sais pas. Cette journée, elle commence très dure pour moi. J'espère vraiment que la suite de la journée va s'améliorer. J'attendais ce confessionnal avec impatience parce que déjà, il y a des gens qui sont permis de partir dans des pays. J'ai même pas vu le paysage. Zimbabwe, j'ai rien vu du tout à part une forêt qui fait peur. Fares et Boussif qui sont snappés uniquement dans la chambre, on en parle quand? Chipaï et trucs qui sont snappés aussi dans la chambre, j'en parle pas. Et Anaïs et tout, qu'ils ont parlé que de bouffe. Je ferme en fait. Ferme bien, mais arrête d'ouvrir. Je pars, là, j'ouvre pas. Ok. J'ai ramené une surprise. Uniquement à toi. T'es prête? Oui. Ta-da! Aïe. T'es contente, je t'ai ramené des nouilles. Sache que c'est pas du tout des nouilles que tu peux trouver nulle part à part au Japon. Genre, c'est les meilleures. Bon, en tout cas, merci. De rien. Mais je t'avais demandé un costume Pikachu. Mais déjà, t'es contente pour ta première surprise en fait. Mais je viens de te dire merci. Ah, dis merci. Ah, merci, Camélia. On pourra partager? Non, je te débrouille après. Toi, tu aimes les nouilles, moi je partage qu'avec toi. C'est bien là, les nouilles, hein. Ouais. Avec qui? Avec Wakilou. Je t'ai demandé, tu m'as dit non. Bah, moi je partage avec Wakilou, je m'en fous de ta vie. Tu en veux mon cœur, je veux chauffer. Je sais pas, c'est pas là pour. J'aime pas les nouilles, moi, de base, voilà. Le roi du Comore.
Et tu bailles. Et tu bailles, tu bailles. Le mec il a pas compris, je crois. C'est qui? C'est qui? Il a pas compris, je crois. Pétard, je suis fâché. T'as vu, parce que Kamila, elle a fait un truc irrespectueux. Nous, on est là, on dort. On vient du Groenland, du Zimbabwe, d'Ouzbékistan. Elle vient de Tokyo, tranquille. Ouais, je vais aller réveiller les gens. Tac, pistolet haut. Elle me réveille. J'ai pas ma casquette, j'ai mon crâne devant toute la France entière. Et gros crâne à Luki. Je l'aime pas. Je peux pas me la voir, je peux pas me la blairer. T'as vu, je la sens pas. Avec son nez, là. Coupe. Il y a des gâteaux à la cuisine, je crois. Non, c'est des princes, c'est tout. Quoi des gâteaux? Ouais, il a mis la magie. C'est quoi tes princes? C'est quoi? Tu es fou? On s'en fout des princes. Il n'y a rien dedans. Attention. D.I.A. D.I.A. T'es ma belle. La meilleure. Oh là là. Comment il fait chaud. Et voilà, c'est une dinguerie. Je vais revenir en France avec une couleur. Les gars, vous allez vous jurer. Apparemment, il faudra monter dans les trucs là et conduire le circuit. Je vais atterrir là, moi, je m'emballe. Je sais même pas conduire. Attends, il faut marcher à pied jusqu'à là-bas. Le monsieur du Maroc m'a passé ses claquettes. Je crois que j'ai trop de la peine. Je m'emballe. Ah bon, le truc il est cassé, il va pas tourner. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est une blague en fait! Oh mon dieu! Oh purée! Elle a tapé? Non, elle bouge! Elle fait des accidents, elle fait. Elle s'embrouille avec le moniteur. Elle s'embrouille. Oh la terre, je suis drôle. Wesh. Thank you.